La super équipe. Super Blaze et Super Itze possédaient le pouvoir de la force. Super Pickle possédait le pouvoir de la glace. Et Super Crusher possédait le pouvoir de la bulle de savon. Ah ah, regardez un peu. J'envoie des bulles par-ci, j'envoie des bulles par-là. Nom d'une durite. On dirait que quelqu'un sème le bazar dans toute la ville. À ton avis, Super Blaze, qui ça peut être? Je ne sais pas, mais il existe un moyen de le savoir. Il suffit de faire appel à l'observation. On regarde et on écoute attentivement. Ouh, j'entends quelque chose. J'entends des pas lourds sur la route. Oh, et moi, je vois des choses. De grosses empreintes de pas. On sait maintenant que ce qui est à l'origine de ce bazar marche bruyamment et a de grands pieds. Aide-nous à trouver ce que c'est. Est-ce que tu vois quelque chose qui fait du bruit en marchant et à de grands pieds? Démoli, 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 démoli. Ce robot, oui. Oh oh, en fait il y a plusieurs robots et ils écrasent tous sur leur passage. Oh, c'est sûrement des robots démolisseurs. Nom d'un écrou, on devrait les compter pour savoir combien il y a de robots en tout. Compte les robots avec moi. 1, 2, 3, 4, 5. 5 robots démolisseurs. Oh non 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 non. Ça va aller, Super Crusher. Oui, parce que si on joint nos efforts, on pourra arrêter ces robots démolisseurs. Exact. Parce que nous sommes la super équipe. Démoli. Hé, j'ai un cadeau pour toi. J'espère qu'ils seront à ta taille. C'est pas ta roulette glacée. Allez, allez, allez. Super Pickle. Tu as neutralisé ce robot démolisseur. Mais il reste beaucoup de robots en liberté. Comptons ensemble combien il en reste. Compte avec moi. 1, 2, 3, 4. Désolé, mais vous ne ferez pas le poids face à Super Crusher et son pouvoir de la bulle de savon. Pour qu'enfin tu capitules, je t'envoie cette énorme bulle. Wouhou, bravo. Génial. Bon travail, Super Crusher. Tu as neutralisé un autre robot démolisseur. Malheureusement, il en reste d'autres. Combien sont-ils maintenant? 3, oui. Et il faut vite les arrêter, parce qu'ils se dirigent droit vers une fête d'anniversaire. Oh, oh non. Oh non. Tu viens, Super AJ? On va avoir besoin du pouvoir de la force pour stopper ces robots. Super équipe a répondu présent. Mais on va faire quoi de ces robots maintenant? Eh bien, suite à mon observation, on dirait que tous ces robots sont équipés d'un bouton spécial. Un bouton qui permet de changer les robots démolisseurs en robots nettoyeurs. Génial. Et ça fonctionne. Oui, les robots nettoient le bazar qu'ils ont mis partout. Et c'est ainsi que la super équipe a sauvé la ville des robots démolisseurs et en a fait l'endroit le plus propre au monde. Ah! Super roux, pouvoir de la force. Bien joué. Hourra.
J'ai un peu de mal à comprendre. Comment tu fais pour soulever une grande roue et pour plier des grandes pièces de métal? Mes super roues me donnent le pouvoir de la force. Et du coup, j'ai la capacité d'avoir beaucoup de puissance. Bazar! Bazar! Hein? Bazar! Super pêche! Regarde! Bazar! Bazar! Le robot turbulent vient de croquer les rails des montagnes russes! Et les wagons se dirigent vers le trou! Génial! Nom d'un écrou! Il faut qu'on répare ces rails de montagnes russes et vite! Super roue! Pour réparer ces montagnes russes, on a besoin d'une pièce qui a cette forme-là. Vite, Blaze! Ah. Utilise ta force pour plier cette grande plaque de métal! Est-ce que cette plaque de métal a la même forme que le trou? Oui! Super! Tu as réparé le trou! Oui, mais regarde par là-bas! Oh oh! Il vient de croquer un dernier morceau des montagnes russes! Oh non! Les rails sont coupés! On a intérêt à réparer ça rapidement. Super roue à la rescousse! Est-ce qu'il s'agit de la même forme? Vite, Blaze! Et là, est-ce que c'est la même forme? Maintenant, il ne reste plus qu'une seule chose à faire. Bazar! Hé! Hey, le robot de l'espace! Bazar! Tes jours à mettre le bazar partout sont terminés! Et allez hop! Retour dans les étoiles! Mais ce n'est rien, les amis. Regarde, le robot turbulent est de ce côté-là. Il se dirige vers Crusher et Pickle. Waouh, Crusher, c'est toi qui as fait ce gâteau pour nous? Bien sûr que c'est moi, Pickle. C'est un gâteau parfait pour une journée tout aussi parfaite. Le genre de journée où tu sais que vraiment rien ne peut aller de travers. Sauf si, évidemment, un robot géant arrive et lance en l'air le gâteau parfait. Pour rattraper ce gâteau, il faut qu'on accélère pour que ma vitesse égale 10. Compte jusqu'à 10 avec moi. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Et voilà! Mon gâteau! Merveilleux! Merci beaucoup, Super Blaze. Allons vite nous occuper de ce dernier robot turbulent, une bonne fois pour toutes. Tous ces robots ne viendront jamais plus mettre le bazar à Motor City. Bravo! Trop fort! Vous avez réussi, vous avez sauvé la ville! Non, mais c'est normal, les amis. Si jamais quelqu'un a besoin d'aide, vous savez que vous pouvez toujours compter sur nous. Exact! Parce que nous avons les... Super On y est! Regardez! La planète Pluton! C'est là que le commandant Megan s'est posé avec son vaisseau abîmé. Pourtant, j'aime pas la voir. Moi non plus! Aide-nous à retrouver le commandant Megan. Dès que tu vois son vaisseau spatial, dis « vaisseau spatial ». Vaisseau spatial ! Et voilà le commandant Megan ! Les amis, vous avez réussi ! Oh ! Attention derrière vous ! Des astéroïdes ! Ils viennent par ici ! Oh non ! Pas bon du tout ! Il faut empêcher ces pierres géantes d'aller se fracasser sur nous ! Mais comment ? J'ai
C'est la solution à notre problème. Se servir du canon laser. La classe! Je ne savais même pas qu'on avait des canons laser. On va pouvoir pulvériser ces astéroïdes. On ferait mieux de ne pas traîner. Il y en a trois qui arrivent. Dépêchons-nous! On a besoin de programmer nos canons laser sur nos cibles. Il est temps de rentrer le code. Regarde! Cette commande va indiquer aux robots de déclencher leur canon laser. Et grâce aux chiffres qu'on donnera à ce signe, ils sauront combien de tirs ils devront faire. Pour 3 astéroïdes, il faut tirer 3 fois. Lequel de ces chiffres est le 3? Oui! Bien joué! Donc voici le code. Démarre, tire au canon laser, répète 3 fois, stop! Bah. On a notre code! Démarre, tire au canon laser! 1, 2, 3, et stop! Woohoo! On les a eus! Et 3 astéroïdes de moins! Oh! Nom d'un joli verre! Ça en fait un paquet à détruire! Vous allez y arriver, ami robot. Reprogrammez simplement le laser pour qu'il effectue 100 tirs. Le canon laser va tirer 100 fois? Approche-toi. Il faut aider les robots à déclencher 100 tirs au laser. Lequel de ces nombres est 100? 100! Oui, c'est ça! On a notre code! Démarre! Tire au canon laser 100 fois! Robot de l'espace, je savais que je pouvais compter sur vous. On est content de voir que tu vas bien, commandant Megan. Et maintenant, mettons-nous au travail. Réparons le vaisseau endommagé pour que le commandant Megan revienne sur Terre. Bien dit. Alors, allons-y. C'est réparé. Ouais. Paré au décollage, Blaze. Pour décoller à la vitesse explosive, dis fonce, Blaze. Fonce, Blaze. Prochain arrêt, la Terre. Les animaux! Les animaux? Ah! Où sont-ils passés? À l'aide! Stripes! Hé! Hey, je viens d'entendre les petits pandas! Je crois qu'ils sont de ce côté, dans la fête foraine! Aide-nous à les retrouver! Quand tu vois les pandas, dis panda! Panda! Oh, ah, ne vous inquiétez pas! On arrive! Au secours! Regardez, il s'agit de Petey. Mais il est très très haut. Comment va-t-on le faire descendre? Hé, hey, moi j'ai une solution. Et si on se balançait pour l'atteindre grâce à ce bateau pirate? Ah, super idée! J'appuie sur ce bouton pour le mettre en marche. Ça alors, le manège ne veut pas démarrer? Je vois pourquoi. Il manque des engrenages pour qu'il fonctionne. Des engrenages? C'est quoi un engrenage? Un engrenage est une roue avec plein de petites dents. Ces dents permettent aux engrenages de s'entraîner entre eux. Un moteur utilise sa puissance pour faire tourner un premier engrenage et cet engrenage en fait tourner un second qui en fera tourner d'autres à son tour jusqu'à ce que la puissance parcourt toute la machine et lui permette de se balancer. Regardez, il y a des engrenages ici. Utilisons-les pour réparer le manège. Oui. Pour réparer le manège du bateau pirate, on va avoir besoin de 3 engrenages. Y a-t-il 3 engrenages?
Non, il n'y en a que deux. Faites vite! Attendez, j'en ai trouvé un autre. On a trois engrenages maintenant? Oui! Ça fonctionne! Le moteur fait tourner les engrenages et le bateau se balance! Ouais! Wow! Et de là! Tu l'as sauvé! Oh, merci, Stripes! À l'aide! Là-haut, il y a la petite Peggy, près de la grande roue! Oh! Stripes! Mais il manque aussi des engrenages à la grande roue! Il faut la réparer pour aller sauver Peggy. Elle a besoin de 4 engrenages pour fonctionner. Justement, voilà d'autres engrenages. Y a-t-il 4 engrenages? Oui, il y en a 4. Génial. Ouais. Et de deux, il ne nous reste plus qu'un seul panda à sauver, le petit Polly. Wow. Hé, hey, regardez, sa bulle flotte jusqu'au manège de la fusée. Wow. Et on dirait qu'il va falloir trouver 5 engrenages pour réparer ce manège. Ah, je vois des engrenages. Est-ce que tu en vois 5? Non, il n'y en a que 3. J'ai trouvé un autre engrenage. Est-ce que ça en fait 5 en tout? Toujours pas. Ah, bon, et maintenant? A-t-on 5 engrenages? Oui! Merci beaucoup. Merci. Merci. Vous voulez savoir? Eh bien, il contient mon nouveau jeu vidéo. Wow. Il s'appelle Sauver le dragon. Il y a dans ce jeu un dragon adorable. Et ce dragon adore voler. Wow. Il a l'air dragon. Un jour, le dragon découvre un château avec une tour. Et quand il se pose pour l'observer de plus près, il se retrouve piégé à l'intérieur. Qui veut y jouer en premier? Oh, moi en premier, moi en premier. Je vais m'amuser comme un petit fou. Je vais sauver le dragon. Flotte debout devant toi. Oh non, Crusher a fait tomber la console. Et on dirait que quelque chose de bizarre arrive aux jeux vidéo. Nom d'une durite! Les 3 clés viennent de s'échapper du jeu! Oh oh! Sans ces 3 clés, on ne pourra pas libérer le dragon de sa tour! Non, mais ne t'en fais pas, dragon! On va quand même réussir à te sortir de là! Je t'en fais la promesse! Youpi! Mais comment on va faire? Oui, ces clés peuvent se cacher n'importe où! Avec AJ, on va les retrouver! Pas vrai, AJ? Oui! Ce sera comme si on jouait au jeu vidéo, sauf que le jeu se jouera ici, à Motor City. Alors on y va! On a une partie de jeu vidéo à gagner. Nous sommes des héros de jeux vidéo. Blaze, tu as vu? La clé enchantée est tout près. On va l'attraper. Oui, mais avant ça, je crois qu'il va falloir déjouer un tout dernier sort. Un sort qui fait apparaître des bulles géantes. Il nous faut un objet capable d'éclater ces énormes bulles. Hé, j'ai trouvé. Utilisons la géométrie pour fabriquer une épée. D'abord, on a besoin de 3 triangles. Pour fabriquer ces 3 triangles, dis 3 triangles. 3 triangles. Ensuite, on a besoin de 2 rectangles. Pour fabriquer 2 rectangles, dis 2 rectangles. 2 rectangles. Enfin,
On a besoin de 4 parallélogrammes, comme ceci. Pour fabriquer 4 parallélogrammes, dis 4 parallélogrammes. 4 parallélogrammes. Oh, ouais. On vient de fabriquer une épée Monster Machine. C'est la classe. Partons à la chasse aux bulles avec notre épée. Joli enchaînement. Plus qu'une seule bulle a éclaté. Mais elle s'envole dans les airs avec la clé enchantée à l'intérieur. Sauf que cette fois-ci, la clé ne nous échappera pas, parce que nous avons la vitesse explosive. Pour me donner la vitesse explosive, dis Fonce Blaze. Fonce Blaze. Regardez, elle retourne dans l'univers du jeu vidéo. Et elle se dirige vers le dernier verrou. Ça a marché! Le dragon est libre! Wouhou! On a réussi, AJ. On a sauvé le dragon et on a gagné la partie. Regardons un peu comment Violette la licorne s'en sort dans sa bulle. Par pitié, preux chevalier, il faut que je sorte de cette bulle et que je rentre retrouver mes amis. Ne t'inquiète pas, Violette. Blaze et moi, nous sommes en route. Chevalier, à la rescousse! C'est pas passé loin. Oh non. Si on veut rejoindre Violette, il faut qu'on réussisse à franchir ces montagnes qui projettent de la glace. Oh, je sais. Et si on construisait quelque chose? Une chose qui nous ferait voler au-dessus des montagnes et ferait fondre la glace. Ah oui. On pourrait construire un dragon cracheur de feu. Je suis un dragon cracheur de feu Monster Machine. Merci AJ, mais c'est sûr que la montagne a encore de la glace en réserve. Si jamais tu vois d'autres blocs de glace, dis glace. Glace. Faisons monter la température. Feu de dragon. Voilà, le grand méchant marais bulleux. Ça ressemble à la voix de Violette. Elle doit se trouver de l'autre côté du marais. Oh, Blaze, attention! Des grandes méchantes bulles. Oh, il faut qu'on fasse attention, ou on va nous aussi se retrouver prisonniers d'une grande méchante bulle. Hé, je viens d'avoir une idée. Comme on est chevalier, on peut faire éclater les bulles. Tu as raison, Sir AJ. On peut utiliser nos épées. 1, 2, 3, 4, 5. Très joli coup, Sir AJ. Sir Blaze, Sir AJ, à l'aide. Regarde, c'est Violette. Mais le vent éloigne sa bulle de nous. Vas-y, monte à bord, AJ. Il est temps d'utiliser la vitesse explosive. Pour me donner la vitesse explosive, dis Fonce Blaze. Fonce Blaze. Chevalier, à la rescousse. Je suis libre.
Mais de rien, Violette. Et on n'est pas les seuls à être contents que tu sois saine et sauve. Regardez, ce sont les autres licornes. Violette, tu es sauvée, oui. Doubidou, doubidou, ouais, doubadou. Oh. Ouais, salut, beau gosse. Ouais. Wow, mais qu'est-ce qu'ils font? Ils n'ont pas le droit d'aller aussi vite. Normalement, je devrais être le seul à pouvoir le faire. Eh bien, puisque personne ne veut m'écouter, alors je me chargerai personnellement de les arrêter avec mes sabots de roue. Oh, c'est le moment d'en essayer un. Non. Mais qu'est-ce qui se passe? J'avance plus. J'avance plus. Ouais, il n'y a aucun doute, j'ai réussi à l'arrêter. Et je compte bien mettre des sabots sur les roues de tous les habitants de cette ville. Ouais, et je serai le seul qui pourra aller à toute vitesse. Oh oh, regarde, Spidéric est en train de poser des pièges. Hey! Mais qu'est-ce que c'est? Hey! Oh non! Il faut qu'on les aide. Ah, je n'arrive pas à le retirer. Mais qu'est-ce que c'est que ces trucs? Des sabots de roue. Et le seul moyen de les enlever, c'est de les ouvrir avec une clé. La clé est forcément ici, quelque part. Aide-nous à la trouver. Où vois-tu une clé? Elle est là. Oh, tu veux dire ça? Oh non! Il est en train de s'enfuir. Ne vous inquiétez pas, les amis. On va récupérer cette clé. Allons-y! Spidéric, il est là-bas! Il se dirige vers la montagne! Ce n'est pas une montagne, c'est un volcan! Un volcan! Il faut absolument qu'on récupère la clé avant qu'il arrive au sommet! AJ, appuie sur le champignon! Salut, Spidéric! Ah, tu es là? Oh, c'est pas possible! On est venu récupérer la clé, Spidéric! Ah ouais? Eh ben, vous l'aurez jamais parce que je suis trop rapide pour vous! Tu t'en souviens pas? Tu m'as peut-être déjà battu, mais ça ne se reproduira pas cette fois. Car maintenant, j'ai une forme aérodynamique! C'est terminé, Spidéric. Maintenant, tu vas nous rendre cette clé. Hein, t'es peut-être devenu plus rapide que moi, mais tu peux toujours rêver pour que je te la rende. Il a jeté la clé. Elle va atterrir dans la lave. Il n'y a qu'un seul moyen de l'attraper à temps. On a besoin de la vitesse explosive. Pour atteindre la vitesse explosive, dis... Fonce, Blaze! Fonce, Blaze! Et... attrapé! Wouhou! Ouais! Il ne nous reste plus qu'à rapporter la clé à nos amis! Yahoo! Swoops! Hey, salut les héros! Vous avez peut-être besoin que je vous ramène? Swoops, tu arrives tout pile au bon moment! Oh, prochain arrêt, Vélocitéville. Les amis, regardez, là-haut. Blaze et Edge sont de retour. Et on a récupéré la clé. Yeah! Super!
qui le meilleur? C'est Blaze! 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 Blaze!